Nouvellement nommée au poste de directrice d'Amnéville Tourisme, Anne-Karine Betznanoff nous a accueillis dans ses locaux afin de nous présenter les axes de travail de cet établissement. Donc, ça fait déjà plus de 15 ans que je travaille dans le tourisme. J'ai travaillé donc sur mon poste précédent en tant que responsable ressources humaines et recherche et développement pour la Fédération régionale des offices de tourisme et syndicats d'initiative de Lorraine. Voilà. Et auparavant, je travaillais dans un autre office de tourisme, non loin d'ici, à Thionville, en tant que responsable qualité. D'accord. Alors, une question qui intéresse les Amnévillois, quelle est la différence entre l'office de tourisme tel qu'il est actuellement et celui qui a existé jusqu'à présent ? Alors, c'est la structure administrative qui change, en fait. Le précédent office de tourisme était une association, régie comme un club de sport, par exemple. Mmh. Là, on a affaire à un EPIC, donc un établissement public à intérêt commercial, qui est beaucoup plus lié à la collectivité locale. Il faut savoir que du coup, dans le conseil d'administration d'une association, on a des personnes privées qui sont représentées. Pour un EPIC, ce n'est pas le cas. La majorité des personnes qui sont présentes dans le comité de direction d'un établissement public donc, sont des élus locaux. Mmh. Et l'autre partie sont des prestataires touristiques d'Amnéville-Malon. D'accord. Les missions restent les mêmes ou c'est différent aussi ? Alors, les missions d'un office de tourisme sont confiées par la loi. Donc dans le code du tourisme, donc elles sont l'accueil, l'information, la promotion et la mise en réseau des acteurs. Et on vient après en appui sur des projets de développement touristique et des missions annexes peuvent être confiées à tel ou tel office de tourisme. Il y a des offices de tourisme en France qui gèrent des centres des congrès par exemple, d'autres gèrent des sites comme des piscines ou des pistes de ski, enfin ça dépend. Aujourd'hui, l'EPIC, Amnéville Tourisme, a en charge donc l'accueil, l'information, la promotion, la mise en réseau des acteurs, mais aussi tous les chalets qui sont autour du lac, les chalets donc découvertes et noisetiers qui sont en face des thermes, et la gestion du mini-golf. D'accord. Au niveau du personnel, combien de personnes composent l'office de tourisme ? Alors aujourd'hui, on n'a pas fini encore de constituer complètement notre équipe. Il y a du personnel qui a été récupéré de l'ancienne association. Et puis on va finir avec une équipe qui tournera autour de 9 personnes. Voilà, d'accord. Avec des postes qui seront détaillés entre tout ce qui est poste d'accueil, de conseiller en séjour, de communication, de commercialisation. D'accord. Vous travaillez bien sûr toujours avec tous les acteurs du site, avec les hôtels, les restaurants pour proposer des... Alors, le travail qui doit être réalisé avec les prestataires, c'est vraiment une mise en réseau des acteurs, un travail global qui doit vraiment faire en sorte de monter une synergie, faire monter la mayonnaise vraiment sur le développement économique et touristique d'Amnéville. Pour vraiment, on se rend compte en fait que beaucoup d'acteurs ne se côtoient pas assez, se connaissent pas assez, n'ont pas des habitudes de travail communes malgré la densité en fait d'offres touristiques qui est présente sur le site. Donc on va s'attacher à travailler avec Amnéville Haut, Amnéville Bas aussi, avec Malencourt sur une vraie mise en réseau des acteurs pour servir le développement économique du site. D'accord. Justement, on a rencontré M. Vaccaro, directeur de Snow, il n'y a pas si longtemps que ça. Il disait que justement, le site souffrait un petit peu de cette communication globale. Tout le monde s'accorde à le dire. D'accord. Donc on va s'attacher, nous, en tant, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une mission qui nous est donnée par la loi et en délégation de service public par la collectivité. C'est notre travail de mettre en réseau les acteurs. D'accord. Au niveau des structures, nous sommes au point rouge, comme vous l'appelez. Oui. Il y aura d'autres structures qui vont peut-être s'ouvrir sur le site ou en bas, peut-être, vous parlez justement de... Alors, pour le moment, on va se concentrer donc là, ici, sur la bulle rouge avec l'accueil touriste. Et on a toute la partie administrative qui se retrouve à l'arrière donc du casino dans les pavillons. Voilà. D'accord. Donc, au futur, il n'y a pas de projet de nouvelle... Pour l'instant, on a encore le chalet qui était précédemment l'office de tourisme, où là, on est en train de faire une enquête auprès des prestataires, justement, pour qu'ils nous fassent part de leurs besoins d'équipement à ce niveau-là. D'accord. Depuis votre arrivée, pardon, vous travaillez sur des dossiers particuliers, des choses qui sont engagées déjà. On a énormément de gros chantiers sur des calendriers qui sont quand même relativement courts. Il faut savoir que Amnéville est une station classée, donc très rapidement il va falloir qu'on travaille sur le classement de l'office de tourisme, donc sur le classement le plus élevé des offices de tourisme, donc le classement catégorie 1, donc il va demander un gros travail. On travaille aussi du coup en parallèle sur une démarche qualité et les gros chantiers, donc la version publique, c'est tout ce qui est chantier communication internet. On sait aujourd'hui que 80% des touristes qui partent en vacances consultent internet. Il faut qu'on soit présent avec une vitrine qui soit digne de ce nom. Donc voilà.
D'accord. Un site internet où on pourra aussi trouver, on pourra acheter pardon, des billets. Alors, dans un premier temps, ça sera un site internet informatif. D'accord. Parce qu'il faut savoir là aussi que pour pouvoir acheter, ben, il y a des démarches administratives qu'on doit déclencher avant de pouvoir le faire. Donc, dans un premier temps, ça va être un site internet qui fera une belle part aux photos. D'ailleurs, j'en fais part aux Amnévillois. Si jamais vous avez des belles photos à transmettre sur le site ou sur des équipements d'Amnéville et que vous ne voyez pas d'inconvénient à ce qu'elles soient diffusées sur internet, vous pouvez les transmettre à l'office de tourisme, donc sur l'adresse internet accueil@amneville-tourisme.com. Ça sera avec un grand plaisir qu'on pourra les utiliser. Voilà, l'appel est lancé en tout cas. La grosse saison, j'ai envie de dire, est passée. Oui. L'hiver, comment on travaille dans un office de tourisme? Il y a moins de travail ou on prépare en amont l'année prochaine ou il y a des choses à préparer pour l'hiver? Alors, on a tendance à dire que le travail d'un office de tourisme, c'est comme un iceberg. Hein. On voit l'office de tourisme, il est ouvert, il donne des documents, il conseille les touristes. Et on voit que la face vraiment émerger. Tout le reste, c'est vraiment un gros travail qui doit être réalisé sur tout le montage de la prochaine saison. On nous attend aussi sur des projets d'événementiel sur la saison prochaine. Donc on a un gros travail de gestion de projet avec l'ensemble des acteurs du site à réaliser pour être prêt pour 2015. Vous avez géré récemment l'ouverture de la piscine, il me semble. Oui. Tout un ensemble de manifestations. Oui. Ça a rencontré un succès Oui, c'était une fête populaire qui était très appréciée, visiblement. Donc, c'était un premier coup aussi pour l'équipe, concrètement. Hein, c'était la première fois où on se retrouvait ensemble autour d'un projet cohérent d'événementiel. Donc, on a pu déjà voir comment on pouvait être accueilli par les différents acteurs du site. On voit que la porte est ouverte, qu'il y a des grosses attentes, on en a conscience. Mmh. Donc c'était une belle expérience. D'accord. On va redoubler. Pour terminer, l'office de tourisme, les heures d'ouverture donc au public, les caps sont-elles? Alors, aujourd'hui, elles sont de 10h à 12h30 et de 14h à 16h45. Il faut savoir que là, comme je vous disais tout à l'heure, on est encore sur une équipe qui est restreinte. Ces horaires ont vocation à s'agrandir. D'accord. Voilà. Pour l'instant, c'est ces horaires-là du lundi au dimanche. Merci. De rien.